Eh, hey, salut, salut YouTube. Ah non, j'ai plus le Artune. Salut YouTube. Il y a pas de soleil en Normandie. Oh là là, ça parle mal. Ça parle mal, surtout qu'on habite dans le Nord. Alors, nous revoilà sur Mario Galaxy et on va enfin savoir qu'est-ce que c'est cette curieuse galaxie qu'on a ouverte tout à l'heure. Parce que toi, évidemment, YouTube, tu regardes cette vidéo longtemps après. On dit Yule ou Jules, je sais pas, j'ai jamais su et je m'en fous en fait. Il y a Dollywood qui était sur du GeoGuessr la dernière fois. Et elle savait pas trop où c'était, puis elle disait ah là là, ça ressemble peut-être à la Bretagne ce truc là. Et j'ai répondu en disant la route a l'air sèche, ça peut pas être la Bretagne. Et elle m'a dit, tu veux te faire ban? Et j'ai fait, non mais je suis de Normandie, j'ai le droit, non? Et elle m'a dit, bah t'as qu'à parler de ta région, et pas faire chier avec les autres. Elle a dit, ok. Elle était pas contente, hein. Elle était pas contente, hein, Dolly, hein. Ah bah ce petit bruit de paix indé là. N'oublions pas de prendre la vitamine C. Non, c'est de la vitamine D moi que j'ai pris. Il est en forme de poisson, c'est beau, n'est-ce pas? De quoi il parle le vieux? Putain, le vieux, il y a un vieux rebou qui parle et qui dit des conneries là. Quoi? Oh. Ah, et dans le sable, c'est vrai qu'on s'enfonce. Le Krabs, viens là, le Krabs. Le Krabs, il monte son cul. C'est pas rigolo. Hein. Ben oui, mais ça a beau être une... Trouve-moi un groupe qui chante Vitamine D, quoi. C'est tout. Il y a des fantômes. Super. Ah super, si j'avais voulu plus mal viser, je l'aurais fait. Hein. Oh mais il y a la totale, il y a les murènes, les méduses. Il y a tout là. Mais va me... Ah ouais, disons. 4 jours. Hein. Quoi? Mais j'ai... Ah oui, d'accord, c'est bon. J'ai compris dans quoi j'ai tapé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait demi-tour ce con? On voit rien. Je vois rien. Il est passé à côté. Ah, les niveaux. Sublime. Ah, vraiment, j'adore. Les niveaux aquatiques dans Mario, hein. Putain, mais je sais pas, non, je m'énerve pas. Non, promis, je m'énerve pas. Je suis pas en train de me vénérer, vous inquiétez pas. C'est vous qui êtes en train de vous énerver. Mais pourquoi? Mais c'est incontrôlable. Je vous jure, c'est incontrôlable. C'est connerie. Là, il a fait demi-tour, j'ai pas pigé pourquoi. Il y a la murène qui va me popper sur la gueule. Je le sens gros comme une maison. Oh, c'est ouf. J'ai débloqué quoi en plus? Non, il y a une. Ah, j'ai débloqué ça. Prends la pièce, ouais, merci. Oh là là, regardez. Il y a une carapace d'or. Un rebou comme les machins, il faut deviner les trucs. Vitamine D. Il y a Ludacris qui a fait une chanson sur la vitamine D.
premières secondes du clip sont agréables. Le clip, il y a des meufs en slip. Il y a des faux pecs. Préféré. Quoi? Aucun souvenir de ce niveau, j'avais dû arrêter avant. Pâte à tarte, comment les... elles sont comment les images de synthèse? Un peu comme celles que tu fais toi, c'est ça? Alors sinon Guigui, ouais non, c'est peut-être pas que tu t'es arrêté avant en fait, mais c'est celle-là vu qu'il faut le débloquer, ça c'est un niveau qu'il faut débloquer en fait. C'est un niveau supplémentaire quoi. Ah bah ça dis donc, au bout de 10 ans, ça y est, j'ai retrouvé où c'était. Est-ce que je passe? Vous pensez que je peux éclairer tous les petits fantômes là, et avoir quelque chose en cadeau? Attendez, faut que je reprenne de l'air. C'est juste une question de survie. Un peu d'air, de l'air de respect. Les mathématiciens, eux, ils chantent Euler. 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 C'est juste un théorème qu'il est bien. Je te proute amicalement. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait Mario? Qu'est-ce que tu fais Mario? Arrête! Putain, mais des fois il est red bourré le Mario. Hein. Ah attention, parce qu'il faut balancer la carapace mais pas toucher la l'autre naze. C'est pas hyper mémorable comme niveau enfin. Pas en bien. J'ai pas persisté, j'ai attaqué le 2 sans avoir fini le 1, c'est sûr. C'est terrible, quoi qu'il en soit, prends la super étoile que j'ai trouvée. Trop sympa. Trop sympa ce Capitaine Toad. En vrai, les modifs corporels en 3D sur quelqu'un qui bouge, j'ai jamais fait. Mais je sais que c'est compliqué de ne pas voir la différence. Comment il me parle? Prends la... Prends l'étoile, ouais. Ah non, je veux pas. Je veux pas. Arrête. Arrête, Captain Toad. Putain, c'est un forceur. Captain Toad, c'est un forceur. Tadam. Hop. Galaxie complète. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Quoi? C'est Luigi?
C'est Luigi qui me parle. Tu as reçu une lettre de Luigi. J'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé. Regarde la photo, viens m'aider. Tu sais où se trouve cet endroit? Je me demande si je l'ai pas déjà vu. Je donne cette photo pour que tu n'oublies pas où se trouve le Luigi. Pour voir la photo, appuie sur plus et choisis icône courrier dans le menu pause. Quoi encore? Tu as reçu une lettre de la princesse Peach. Je prends un moment dans un endroit très très lointain. Mais je vais bien. Je sais que tu viendras me sauver, PS. J'espère que j'ai besoin de l'aide. L'aide te sera utile. 5 champignons one-up. Est-ce que tu les veux? Je prends. Captain Forcer. Ouais. Allez, à la prochaine. C'est bon là? T'as fini de me harceler avec ton courrier de merde? Bon, faut que j'aille trouver Luigi maintenant. Alors, Luigi, je crois que c'est dans le deuxième truc là. Il va être où? Comment il s'est pris en photo s'il enfermait? Oh là là, ça y est, ça y est. T'es en train de dire que Mario, c'est pas logique là. Non, c'est pas lui. Ah bah oui, c'est lui. Regardez, c'est lui. Il y a un stick mou. Il y a un stick mou dans la pièce. Tan tan tan. C'est bon le jus d'orange. Moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien les animaux. Les petits chats surtout. Ah ouais, là, c'est l'enfer, ça c'est l'enfer. Le passage d'un côté à l'autre là, c'est... emmerdement maxi... Quoi? Non bah non. Non bah non. Désolé. Hop. Est-ce que la porte est ouverte? Oui, oui, bah oui, la porte est ouverte. Ouais. Il y a même Rabia qui est dehors. Mais tout l'été en fait, hein, tout l'été la porte elle est ouverte une bonne partie de la journée parce qu'il y a Rabia quoi. Vous pensez vraiment que je la maltraite? C'est quand même assez ouf hein. Eh merde, comment on peut le voir ça? Avant que ça nous pète à la gueule. On peut pas. Ah d'accord. Oh, il est en dessous Luigi là, non? Voilà, regardez. Luigi, il est là. Eh, viens par là toi. Ben voilà. Hop, on a trouvé où Luigi.
Chez moi, oui, car la petite Napine a eu le droit de sortir pour la première fois aujourd'hui. En bonne maman, je suis stressé. Aussitôt, elle a été chassée par mon autre chat. Arrgh. Tu dis des méchancetés sur pauvre petit plumeau, c'est pas vrai. C'est un gros plumeau. Harmonie, c'est la seule meuf qui t'envoie au casse-pipe et te regarde tranquille. Ah ouais, non, mais faut rien. Non, mais non, c'est Jeff Bezos, hein. Harmonie, c'est Jeff Bezos. Et fout rien, elle récolte tout, et derrière, elle a dit que t'es une feignasse. C'est juste merveilleux, quoi. Mais elle est verte, l'étoile. Elle est pourrie. Elle est moisie, l'étoile, elle est verte. T'as ramené une super étoile verte. Les super étoiles vertes possèdent des pouvoirs particuliers. Pour en savoir plus sur les super étoiles vertes, demande des explications au Luma Vert. Merci de m'avoir sauvé. Je suis un des gardiens de la galaxie des épreuves. Ouvrir le portail permettant de s'y rendre, les pouvoirs des deux autres gardiens sont nécessaires. Encore des conneries à récupérer là. Et je vais aller au boss. J'ai envie. J'ai envie, je fais ce que je veux. Là c'est planqué, là c'est planqué, allez hop, paf! Paf! Allez. On va au boss. La fin des ambitions du roi maléfique. Ok. Non mais ça me paraît ok. Oh comment il tourne bien Mario quand même. Ok, non mais je l'ai fait, c'était prévu. Tout était prévu. Et toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Ah! Jusque là c'est ok. Qu'est-ce qu'il va me dire? Oh bah rien du tout parce que... C'est juste chiant. Il y avait une vie, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des vies? Ah, ce petit douille. Je suis tellement con. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui ont envie de vomir avec le jeu. Hein. Non merde, c'est pas par là. Voilà, oh là, j'ai tellement failli me faire avoir.
Merde, 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 merde. Un peu comme là en fait. J'ai pas réagi, j'ai pas réagi. Des fois le gars... Il est à l'ouest et... Faudrait venir maintenant. Hop, là ça change encore. On tourne, on tourne. C'est rigolo. Oh ouais, bah oui. C'est dit. Emprunte ces escaliers. Je disais non, mais attends. Je disais mais non. Et tu entendais pas. Et en plus, j'ai 5 secondes de lag. Ce que je sais par contre, c'est que je suis déjà dans mon lit. Oh là là, mais tu t'es couché tellement, tellement tôt. Tellement tôt. Ah, je sais pas quelle heure il est en fait. Il est 22h28, ok. Merci beaucoup. Pas de rien. J'adore parce que je vais plus loin. Attendez, il arrive. T'es déjà là? Tu es bien mon ennemi juré, Mario. Mais je vais sur le champ te transformer en déchet galactique. Parce que je suis méchant. Allez. Cramage de cul pour Bowser. Si elle est fatiguée, Dodo, mais elle est pas fatiguée. Je le sais qu'elle est pas fatiguée. Allez hop, recramage de cul pour Bowser. Et il se rénerve encore. Il fait que ça que de s'énerver. Allez, 3! Oh merde, 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 je vais être en retard! Oh le bâtard! Petit arba! Allez, cassage de gueule. Dun, da, 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 dun. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Je reconnais bien là mon ennemi juré. Enfin, cette fois, c'est trop tard. Pendant que nous faisons juger ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. Je suis vilain. C'est Bowser, il est vilain. Disons que je peux pas m'émerder en ce moment, hier étant pas mal dans son genre. Ah merde. Flûte. Moi, y'a Rabia qui aime bien me réveiller en ce moment.
Bien. Ça y est, on a allumé l'étage. Vous avez trouvé une étoile. Attendez, est-ce qu'elle va vouloir me parler du coup? Forcément, elle va vouloir me parler. Voilà, c'est super. Nous avons découvert où se trouve celle qui était chère. Regarde la plaque à tes pieds. La plaque à tes pieds, la plaque à tes pieds. Oh eh, oh eh. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour que nous rendre au cœur de l'univers. Un peu de puissance nous est rendue chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint zéro, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. Travailler toutes les 2 heures, c'est à peu près ce que j'ai vécu hier. Hein? Pourquoi toutes les 2 heures? Ah non, heureusement qu'elle m'arrivait pas toutes les 2 heures. Si elle me réveillait toutes les 2 heures, elle aurait le droit à un bon coup de pied au cul. Donc non. Donc non, je pense qu'au bout d'un moment, elle en aurait marre. Du coup de pied au cul. La salle des machines. Regardez, je peux aller encore plus haut. Ah, c'est pas ouvert. Merde, c'est pas ouvert. Ah! 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 J'ai tombé. Merde. Ah, c'est marrant ça. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da-da. Allez. Toutes les heures, moi, étant couché à 3 heures. Tu fais toujours mieux que tout le monde, toi, hein, c'est fou, hein. Pourquoi il y a lui ? Bonjour, ça risque d'être un peu difficile à partir d'ici, alors bon courage. Genre. Ça c'est débloqué. Ah c'est bois vermeil. Trop bien. Le coffre à wedge. Wow. Et si j'allais là directement? j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Poulpe au boss sur la planète de lave. Ne m'arrête-t-il, il a fait 2 mois sans dormir lui. Bah moi j'ai jamais dormi de ma vie. Voilà, voilà, bah, vous avez gagné. Pas une blague. Bah, t'as quand même dormi quoi. Un peu. Parce que sinon t'as un record du monde. Alors c'est pas dit que qu'un manque de qu'une privation de sommeil entraîne la mort,
A priori, ouais, tu commences à avoir des alus au bout d'un moment. Enfin, assez rapidement, en fait, tu commences à avoir des hallucinations. Et donc, ouais, non, c'est pas ouf, hein, la privation de sommeil. Mais personne n'a jamais été assez loin, finalement, pour en mourir. Ah mais vraiment? Privation de sommeil, le corps tient plus, tu meurs au bout d'un moment. C'est aussi une technique de torture. Mais ouais, mais y a pour l'instant, il y a... Enfin, recensé, il y a personne qui est mort de manque de sommeil, quoi. Si tu me piques encore une étoile, papa va me gronder, puisque c'est comme ça, voilà mon arme ultime à toi de jeu, poulpe boss. Je sais plus c'est quoi le record. Ça doit être 15 jours, un truc dans le genre. Comment je l'ai défoncé, le pauvre ? Je sais même pas si je pourrais tenir une nuit blanche maintenant. Si. Si. Même moi qui suis vieux et qui ai beaucoup besoin de sommeil dans les bonnes conditions, j'arrive à ne pas dormir, quoi, donc... Comment je te l'ai déverrouillé, Fissa ? Ah, une nouvelle galaxie ! Ah bah comme par hasard. Les grandes étoiles réunies font briller le brasier de mille feux. Dès que l'observatoire pourra voyager de nouveau, je te conduirai au cœur de l'univers. Dans celle qui t'est chère, ramène encore quelques super étoiles s'il te plaît. Elle fout vraiment rien. Elle fout vraiment rien à l'harmonie. Hein. Vraiment. Elle sert à que d'un. Pourquoi une petite maison là? Pourquoi y a une petite maison? Ça sert à quoi la petite maison? Ici c'est la salle de jeu. Clin d'œil, clin d'œil. C'est pas le truc du début ça? Quoi? C'est que c'est con. Ah! Merde! Et tabasse-le.
Tabasse-le. Allez donc. Da 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 da. Yaou. Ah, vous voyez, c'est la salle de jeu de Harmony. Quoi, je racontais pas que des conneries. Pourquoi ? Ouais, bizarre la gravité ici. Hein. On va aller voir. On va aller voir ce qu'elle nous veut, l'harmonie. Là. Ah ! j'ai trigger le truc. Sans faire le tour, cette planète, elle me rend tellement nostalgique. Je me réjouissais tant de venir lui rendre notre hein ah, notre visite séculaire avec mes Luma. Luma qui est en toi grandira lui aussi jusqu'à devenir un jour un astre à son tour. Certains deviennent des planètes, d'autres des soleils et d'autres encore des super étoiles. Je voyage avec eux à la recherche d'endroits où ils pourront renaître. Mais je ne pensais pas qu'un tel incident pourrait se produire. Et toi ? On dirait que maman te fait confiance. Alors qu'est-ce que tu dirais d'un défi ? Si tu arrives à ramasser les 100 pièces violettes qui sont ici, moi aussi je te ferai confiance. Toile rouge renferme notre pouvoir. Tournoie en sautant et tu t'envoleras. Maintiens B et incline L pour changer de direction. Si tu parviens à ramasser 100 pièces violettes, alors moi aussi je t'accorderai ma confiance. J'ai un pigé. Mario volant. D'accord. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est méga relou, hein. Pour viser, c'est méga relou. Je sais pas si je suis trop haut, trop en bas, non c'est bon. Sinon aujourd'hui j'ai fait une bonne action, mon frère qui était malade il y a deux jours voulait que je l'emmène en voiture chez un de ses potes. J'ai dit non parce qu'il faut être un con irresponsable de faire ça en temps de Covid. Bah bravo à toi. C'est pas facile hein, de dire non à ses proches. Mais de temps en temps ouais. Ils en ont besoin quoi. Hein. Facile, il suffit de pas avoir le permis. Ah mais je parlais de manière générale. Dire non à ses proches, c'est compliqué. Faut pouvoir le faire. Pourquoi ça le touche pas lui ? Joe les fragments là. Merde. Thank you.
Oh, ils vont être tellement chauds. Regardez, c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est tellement chaud. Bon, faut que je fasse un tour, je pense. Non, mais vas-y, non, mais arrête. Non, mais arrête de faire le con, Mario, là. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Pas. Non. Ouais, j'en ai eu un. Ah, j'en ai eu deux. C'est facile, faut faire ça. Hop. Ah, mais oui. Easy. Merde. C'est bon, je l'ai eu. J'ai pas eu de soucis à le dire. Surtout que sur les 4 personnes à la maison, je suis le seul à me faire vacciner. Et en plus, il était allé en ville en transport en commun, donc oh là là. Comme il a grogné, je lui dis qu'il avait qu'à avoir le permis. C'est dans ces moments-là que la cam manette serait marrant d'avoir. Là, ouais, bah, y a pas trop de. Là, je galère. Enfin, ouais, j'appuie pas trop sur les boutons, là, ça va. J'ai gagné étoile rouge. Zbet, 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 zbam. Bam. Bram. Ça va être. Oh, mais ça va me ramener au tout début. Je vais être obligé de tout remonter. Oh, c'est chiant ça. Bouton, je pensais que c'était avec le gyroscope. Ah non, non, c'est avec le bouton. Ça c'est bon. Nouvelle galaxie découverte. Ah, très bien. Le goinfre lui-même est apparu. Mais le fait que ce soit une étoile rouge, on s'en fout un peu en fait. A priori. Je sais pas pourquoi. Je sais plus à quoi ça sert. Allez, on va aller voir le goinfre Luma. Merde, t'es où? Oh, regardez, il est là. Il est là. Dealing, dealing, et toi là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je peux en manger plein, 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 plein. Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en offres 1200, je me transformerai. Rien que ça, quoi. Ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation! Une nouvelle galaxie est née. Le roi de la vitesse sur la route spectrale. Plaît-il ? Est-ce que ça va être chiant ? T'as une planète en forme de crâne avec des os comme satellite. C'est chelou. Toi aussi tu veux l'étoile? Alors fais la course avec moi. C'est quand tu veux, mec.
C'est quand tu veux. C'est mardi. Merde. Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas voler? Tu sais que c'est connerie? Ils volent pas? J'ai pas compris. Hein. 50-80? Une promesse est une promesse, je te la donne. J'ai fait que de la merde et j'ai gagné quand même, quoi. c'est original. Palapam. Yeah. J'ai pas de comète farceuse en plus, c'est chiant. Moi je veux des comètes farceuses. Et après, faut les avoir, hein, les comètes farceuses. En plus, je crois que c'est galère à les farmer à la fin. Si tu veux descendre. Non, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. Donc ça, c'est fait. Ah mais non! Bon déjà, en même temps, ça m'a... ça m'a montré qu'il y avait un raccourci. Qu'est-ce qu'il veut, lui? La recherche des super étoiles est plus difficile que ce que je pensais, mais je baisserai pas les bras ou Bowser s'emparera de l'univers. Ok, ok, ça va. Alors, ça m'emmène où ça? Oui, tu souhaites voir la carte? Voilà, voilà. Je peux voir la... Ah, bah, c'est mieux ça quand même. Regardez, on peut tout voir ici, c'est bien. Je peux pas aller plus loin? Si, là, je peux sortir. Oh, non mais merde, je me suis fait avoir, évidemment. Y'a quoi ici? Ah bah voilà. Les gerbes infernales, c'est pour les gens qui ont... c'est pour les gens qui supportent pas le... La 3D. Voilà, et là ça descend où? Bah voilà. On a un autre raccourci maintenant. On peut y retourner.
Tu es coincé dans Zelda, dans lequel? Ah bah non. Ah non, ça j'ai fait. Si vous voulez, lui. Tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Alors, que fait-on aujourd'hui? Déplace-les. Tralala, tralala, carré, comètes farceuses, s'en aille. Tralala, tralala, je les fais partir. Ah non, merci. Alors, reviens me voir si tu veux encore déplacer les comètes farceuses. Bah non, moi j'en veux des comètes farceuses, moi. Toi, t'as un truc à me dire ou pas? Mario, je suis le facteur. Le courrier va arriver, un peu de patience. Allez, on y retourne. Les bois d'automne. Encore des lapins. Qu'est-ce qu'ils me volent, les lapins? Oh non, mais c'est... D'accord. Alors ça, par contre... Ça, par contre, pas ouf. C'est le même niveau que... C'est le même niveau qu'un autre niveau. Mais en mode inversé, quoi. Ça, en termes de recherche, les gars, c'est pas ouf, hein. Je sais même pas ce qu'ils veulent, moi, les lapins, là. Je suis pas allé checker ce qu'ils voulaient. Pourquoi tu dors, toi? Les lapins viennent souvent de leur planète pour jouer ici. Ça, c'est tout le folklore jap à propos du fait que les lapins viennent de la Lune. Par là peut-être, mais je sais même pas ce qu'ils cherchent. En fait, c'est con parce que je suis pas allé parler au premier. C'est peut-être là ça qu'il faut que je récupère en fait. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est sûrement ça qu'il faut que je récupère, parce qu'il y a... Il y a l'air d'avoir des lapins à chaque fois à côté. Ah, merde, 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 merde. Il y a le moustique. Il y a le moustique qui m'attaque. Je me fais attaquer par le moustique. Mais je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, petit connard. Je pense qu'il va continuer à m'attaquer.
On peut pas wall jump. Ouais, j'ai peut-être moyen de faire un truc, hein. Non, ça marche pas. Du coup, faut que je perde le... Faut que j'aille dans la flotte. Faut que je prenne le trapèze. Ok, ça c'est fait. Ou alors je passe par là. Y'a tellement de trucs là-haut. Merde. Ben voilà. Je les ai eus. Tu crois pouvoir m'attraper? Je trouve ça fou. Merde. Ah! Il est où? Il est où? Il est là-bas. Allez. Oh, tu m'as eu. Tiens, je te donne ça. Combien c'est une étoile? La prochaine fois, ça ne sera pas aussi facile. Genre. Tan 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 tan. Balabam. Hop. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Lancer dans tous les sens. C'est étrange. Mais c'est les machins de Mario Sunshine. Je connais maintenant.
Je connais soi. Si tu me veux. J'ai commencé à dresser un cataquac. Il peut me propulser où je veux. Ah ouais, d'accord. Ce truc peut te propulser dans les airs. Effectivement. Il le peut. Attends, je suis en train de me faire bouffer. Effectivement, faut que je sois en abeille. Ah bah je m'en fous, c'est que des fragments. Ah oui, d'accord. Viens par là. C'est ouf. Viens par là. Voilà, c'est ici qu'il faut que tu me balances. Voilà. C'est pas si compliqué. Moi je l'ai retourné. Zut, c'était un cul-de-sac. Merde, c'était encore un cul-de-sac. Viens petit, viens. Viens. Mais sois pas débile, merci. Non ! Je me coince. Je me coince. Merde. Je l'ai retourné. Allez, viens. Ils sont combien ? Quoi, ça m'a touché? Oh, c'est dégueulasse.
Allez hop. Elles sont jolies les fleurs. Lesquelles? Il y a un truc là. Merde. Viens là toi. Les fleurs violettes. Merde. Viens. Jette-moi. Merde, pas grand chose. Toi, tu dégages. Allez, viens, jette-moi. Merci. Merci, gars. Quoi, c'était pas si compliqué. Eh ben tiens, patatarde, vu que tu aimes bien les fleurs violettes, on va aller dessus. Oh, ça tourne bizarrement là. Hop. Tu vois, on a été dessus. On était bien. Tagadam. Et une de plus. Il nous en faut encore 3, je crois, pour... Ah, peut-être 2, en fait. C'est peut-être 60 qu'il faut. Un nouveau chapitre dans le livre d'histoire, on s'en fout. On est qu'à la moitié. Hein. L'oppressant chemin forestier. Il y en a un qui a l'air vénère en haut là. Yes. Qui me dit c'est la célèbre tour d'observation de notre royaume. Super. Ah ouais, ça si je voulais de l'information intéressante, je suis ravi hein. Il y a donc... On va faire en sorte de se protéger de la pluie. Ouais... Ah, je peux pas parce que... D'accord, ok. Parce que je suis Mario normal, donc je suis trop lourd. Faut que je sois Mario abeille. Faut arriver à faire quelque chose. Ok. Ça, on est bon. Donc, Mario aux abeilles. Bien. Voilà.
Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, non, on s'en fout. Merde. Ah, quand je suis derrière, il voit rien. Elle est nulle. Ça vient pas? Ah non. Ah merde, 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 merde. Je vais y aller à l'arrache. Maya. Maya, la abeille. Au secours. Zeris, gros nuage. Je suis là, hein, je fais mon puzzle. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Ah oui, d'accord. Ok, allez, on continue. C'est pas très compliqué du coup, hein. Désolé, j'ai un peu, j'ai pas eu confiance en moi là, sur ce coup-là. Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Hop là ! Une étoile de plus. Hop, normalement avec une de plus on devrait être pas mal. Hein. On va arriver à la moitié. La moitié de le jeu.
on y va pour la boucle océane. On aime bien les niveaux avec de l'eau. Dans le siège de Polo. Ah, c'est un requin. Oh, les wesh à casquette là sur le côté. c'est boucle océane, mais en ce moment on peut pas s'y amuser à cause de Polo les polars. Non, c'est un épolar, c'est pas. Regardez comment ils sont vénères. Tu vas le défier en nageant avec une carapace. Sommes venus chercher une super étoile, mais c'est pas le moment, on dirait. N'oublie pas, plonge en appuyant sur ZL. Ah voilà le fameux Polo, ouais, je vais lui régler son compte en un clin d'œil. Va surtout mourir toi. Je vais lui parler moi à Polo. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux que je vis tes yeux, passe à servir la vie à bien que je vais envoyer. Il les envoie à quoi les anneaux là? Avec quoi ils les envoient les anneaux? Moi je, c'est ça que je veux savoir. C'est bizarre là, je... Il y a les anneaux qui apparaissent comme ça d'un coup là. Un peu chelou. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Mario? Qu'est-ce qu'il faisait ce con? Mais putain! Enfin, des fois il fait que de la merde. Hein. Bon, j'ai réussi. J'ai réussi? Ouais, tout le monde est content, c'est super. Qu'est-ce que c'est comme puzzle? C'est un puzzle d'une petite ville côtière d'Italie avec plein de couleurs. Cludut. Une nouvelle galaxie découverte? Ah, par contre j'ai une... une comète farceuse là. L'observatoire de la comète a recouvré toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Super. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère? Pas tout de suite. Et ouais, reviens me voir lorsque tu te sentiras prêt. Je me sens tout le temps prêt, ok, mais... Ah! Ah, il y a Luigi, il y a Luigi. Tu as reçu une lettre de Luigi. Ok, j'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé, regarde la photo, viens m'aider. Où se trouve cet endroit? Je me demande si je l'ai pas déjà vu. Je te donne cette photo pour que tu n'oublies pas où se trouve Luigi. Pour revoir la photo, appuie sur machin. Allez. La comète farceuse. Aïe. Aïe. Ma tête. Ma teuté. Ah
Ah, la comète d'ombre en chemin. Qu'est-ce qu'ils vont me faire comme... Attention, alerte! Alerte chiante! Alerte chiante! Ah! Oh! Je crois que j'avais un peu galéré sur celui-là, non? Je vous demande, mais vous étiez pas là et... Pan! Plus de coin! Comment ça, pan? Tu redis jamais pan en parlant des coins-coins, hein. Oh, j'ai réussi à lui sauter sur la tête à ce con. Et hop. Easy peasy. Requin squelette, nous allons voir ça. Étoile en eau trouble. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je me rappelle absolument plus, hein. Ah ouais, j'ai 99 vies, j'avais pas fait gaffe. Vous savez combien de temps que j'ai 99 vies, là? Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il a l'air pas content. Putain, ouais, d'accord, ça me fonce dans la gueule. Ok. Super. Ah. Passer loin, moi. Ah 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 ah, on va être mieux là. Déjà, ça a pu faire pouit pouit, c'est super chiant. Hop. Bon, je vais casser la gueule trois fois, c'est pas suffisant. Non. Mais j'ai plus d'air. Pourquoi j'ai plus d'air? Allô?
Faut que je remonte. Voilà. Ah ah ah, vas-y. Merde, merde, merde. Il manque pas d'air, ce garçon. Voilà. Bon, c'était un peu chiant, j'ai paniqué. Et maintenant, il va falloir que je passe trois plombes à trouver le... l'étoile. C'est bon, c'est là. Ta-da-dam. Allez, galaxie complète. Hop, on sauvegarde. Une comète d'ombre. Je suis tenté. Allez, comète d'ombre et puis on va s'arrêter après. Attention, alerte. Alerte. Alors, faut que j'aille plus vite que mon double. Ok. Il va nager aussi là ? Ah merde ! Mais qu'est-ce que je fous ? Ah, je suis naze. Oh, je suis qu'un gros naze. Merde, c'était là-haut. Merde, fallait aller là-haut. C'est ça ? Ouais, je me suis planté. Ah ! Quel gros naze j'ai été. Merde, j'ai plus 99 vies du coup. Je suis déçu. Ouais, ouais, vas-y. Ok, bon. Déjà, on est mieux parti que tout à l'heure, hein. Oh non ! Oh, j'ai loupé ça, aussi. J'ai tout loupé, hein, vraiment. Merde. Je suis pas bon dans l'eau, hein. Vraiment, c'est pas... Ok, donc pour une fois... Pour une fois, je suis devant lui. Thank you.
Hop, j'ai réussi. Ta-da-da. Oh, on a dépassé la moitié, quoi. Oh là là. Plus que 57. Plus que 57. Allez, des bisous YouTube. À la prochaine.